l'esprit d'innovation. Donc je veux que vous soyez des jeunes responsables. Comme Frère Charles-Dieu, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à la responsabilité de Frère Charles-Dieu au niveau de sa communauté. Nous avons besoin plus de gens honnêtes, plus de gens qui veulent s'intégrer pour le changement de la communauté haïtienne. On a tellement besoin. Et si nous ne prenons pas engagement nous jouons aujourd'hui en tant que jeunes, laissez-nous pas arriver dans sa rue le soir de notre vie, nous allons toujours répéter des proverbes de regret. On va toujours dire si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Parce que nous ne pas profiter de jeunesse nous pour construire l'identité. C'est pas nos jeunes, non, on a dit que nous voulons venir un sénateur, nous voulons venir un député, nous voulons venir un président, nous voulons venir un directeur de l'école. Mais si on ne pas, pendant un jeune, on ne pas construire l'identité, ça, on ne pas capable de rien de et si, depuis un jeune âge, j'en voulais dire là, on ne pas apprendre qui sont liés comme responsabilité, ce n'est pas là où il y a une autorité, là, on ne pas être responsabilité. On va tant que ça n'est là où il ne va pas mener nulle part. Donc, je veux que vous soyez des citoyens responsables. Et lorsque nous parlons de développement communautaire, développement communautaire, là, il y a l'ICMM qui définit le développement communautaire comme une approche de développement côté que vous inclus citoyens dans la prise de décision qui peut engager la communauté que vous avez vivre. Et voilà qui vous pouvez dire force approche ça, c'est surtout parce que les basés sur ça la solidarité et l'esprit d'initiative. Sans la solidarité, je ne serais pas ici maintenant. C'est dans la solidarité moi-même avec Charles Dieu, moi accepter de déplacer, prendre le risque. C'est même Jean qui t'aime tout saluer, Franz Thermo, qui se fait frère moi qui est avec moi, qui t'aime saluer Kaïdo Roland qui avec moi. Géraldine Pepa, pourquoi nous avons un pile qui est là avec nous. Genève qui déplace ensemble avec nous, qui t'aime bon, gros coup de chapeau pour moi, ça qui t'a compris le risque là ensemble avec nous, pour nous là. Et qui t'aime moi féliciter nous chacun là. Par le fait que là, déjà, c'est déjà une signe qui montre à clair que c'est le monde qui est prêt pour engager nous en tant que communauté. Développement communautaire, qui s'aligne comme objectif. Et qui raison qui fait que moi-même, en tant que citoyen, moi obligé de rentrer dans l'approche de développement communautaire. Raison de l'empile. D'abord, les objectifs du développement communautaire, c'est l'amélioration de la qualité de vie. Ça, c'est un premier objectif à propos du développement communautaire, là, l'IGAI. Si on agit dans la société, objectif là, premier objectif que je dois gagner, c'est pour être capable d'améliorer les conditions de vie dans la communauté côté ma évoluer. PEPA, Géraldine PEPA, l'identité, ça a été PEPA Education Agency, qui c'est une structure qui prend des initiatives plus jeunes. Mais là, pour l'initiative, ce n'est pas des initiatives pour les pas riches. Si c'était pour l'initiative, on ne peut pas prendre un paquet de temps à les riches. Mais il fait, c'est pour être capable d'améliorer les conditions de vie jeunes dans la communauté. C'est pour être capable de faire des citoyens plus responsables. C'est pour être capable de faire le connaître et ça nous gagne comme valeur dans notre monde. Actuellement, dans le contexte, côté que, parce qu'il y a un pile de jeunes qui l'ont peut-être subi de ça, ils ont parlé de génération 2000. En pile de fois, il y a des petits jeunes pour être capable de minimiser. D'ailleurs, les petits jeunes, c'est une façon pour le dire ou lié à ça, la délinquance juvénile. Ou lié à ça, il y manque de maturité et manque de responsabilité. On dit ça, je veux dire. Nous-mêmes, en tant que jeunes. Quel que soit vous, même si tu as un professeur qui dit ou c'est à du pays, vous êtes sous zéro professeur. Vous, vous qui avez des acarités en haut, qui te dit, mais ça, c'est dans le terrain à passer. Dites-nous où c'est le présent de ce pays.
Combien on a cru que c'est le président de ce pays? Combien on a cru que c'est le président de ce pays? Tout le monde dit que ça continue de même. À chaque fois où c'est l'avenir du pays, vous savez quoi faire? Pas oublier que le passé n'existe pas, n'existe plus. Vous ne pouvez pas revivre ça qui est passé déjà. Est-ce que vous là? Ça qui peut être fait dans le futur, par contre, si vous pouvez vivre. C'est-à-dire, où sont les gens qui ne vivent pas, jamais vivre, parce que toujours, après pour demain. Or, demain, ça, si vous ne pas construire aujourd'hui, vous ne pouvez pas jamais vivre. Nous sommes le présent de ce pays. Et si nous ne pouvons pas croire, comme ça, depuis aujourd'hui, vous pouvez engager nous, 10 ans, 20 ans, nous sommes toujours dans la même situation. Ça. Deuxième objectif, ça a le développement communautaire, donc, c'est réduire le risque collectif qui penche sous tête en tant que monde. Si nous n'avons pas le développement communautaire, des organisations de base qui ont fait le développement communautaire, forcément le monde plus près pour que les gains de pandémie ou bien d'épidémie ou bien de catastrophes naturelles qui sont capables de saccager la vie, nous, c'est le monde qui est capable de mettre tête en tant que avant-gardiste. Pour que vous déjà aider nous préparer derrière pour nous réduire quand c'est des risques qui dépendent sous tête nous en tant que monde. Mais si moi je voulais entrer dans une approche de développement communautaire, il y a un paquet de facteurs qui sont capables de jouer contre moi. C'est ça qui est la mauvaise pratique de développement communautaire. Mauvaise pratique de développement communautaire, nous sommes capables de prendre par exemple, côté que des citoyens décident de faire un projet pour une communauté, ils juste chiffrent dans notre côté et puis ils finissent un projet à venir implanter. Sans parler d'implication de communauté. Ouais, Jean-Jodier, la charité, tu as fait activité ça là, comme je dans le débat. Il y a des difficultés de ne pas prendre. Mais on imagine que c'est moi-même, comme on est connu. Depuis là, j'ai la Tine Pépa à même, Fonster Roi à même, Géné à même, Kaïdo à même, Willy à même. Vous êtes juste débarqué là, il faut activité. Est-ce que tout le monde a dit qu'il faut là, il y a monde qui faut activité, on dit là-dedans? Ça, c'est une mauvaise pratique. Même si c'est pour communauté à la fête, si communauté n'est pas impliquée là-dedans, ou pas intégrée dans la décision qu'on a pris, c'est sûr que vous pouvez faire ça avec une mauvaise pratique. Pour la casser dedans. Une de nos mauvaises pratiques, c'est faire une salle de consultation limitée. Vu là, il y a un projet gouvernement, et puis peu importe ce protestant, on dit que je ne suis pas au plan. On dit que je ne suis pas chef là. Mais ce n'est pas seul protestant qui a vu dans la communauté. Donc automatiquement, pour une consultation illimitée, vous allez dire un série de monde qui a dit ah, projet ça va pour moi, et je vais prendre un café. Blocage à projet ça. Troisième mauvaise pratique, c'est ça, on est manque de communication en tant que projet. Si vous avez un projet pour nous là, vous ne pouvez pas dire qui ça a été gagné comme budget à la base, nous ne pouvons pas prendre un projet, c'est fait aujourd'hui. Eh bien, si bien par exemple, le lit, mon cher, vous avez ça, vous avez 100 millions de gouttes, mais vous faites un projet à la base, ça vous. Et ça, vous faites. Ça qui a pris dans tes dos. Par le fait qu'on n'est pas informé, on dit oui. Ok? Par le fait que vous n'avez pas été informé de ça qui a pris, on dit oui. Et automatiquement, ça a pris dans tes dos, peut-être pourquoi? Oubliez qui est important ce projet, ça a pris pour la communauté ou là, ou va faire blocage à projet ça. Ça, c'est quelques éléments qui sont des mauvaises pratiques pour le développement communautaire. Mais les bonnes pratiques, c'est gagner une bonne communication. Fait ça avec les suivis, parce que dans tout projet, si par les suivis, si par exemple nous faisons un concours pour nous mettre les capacités des jeunes qui ont lit en valeur, nous faisons un concours à la baille ou à la baille, nous ne faisons aucun contact avec eux, nous ne accompagnons pas, nous ne pas vraiment contribuer à le développement communautaire. Parce que 10 000 gouttes, 20 000 gouttes, 50 000 gouttes, 100 000 gouttes, nous ne pouvons pas manger, ça finit. Par contre, si nous continuons à accompagner les jeunes, ça nous grandit avec, nous faisons notre responsabilité. Même si je veux dire, c'est nous qui faisons le pouvoir, Dieu veut, c'est comme nous qui faisons le pouvoir en tant que communauté. Ça, c'est des bonnes pratiques.
Mais si vous rentrez parmi l'être humain est mobilisé, est motivé par l'intérêt. Pas dans la fait ce qu'on va partir dans la vie, ou à faire le niveau d'engagement que vous avez aujourd'hui. Même les gens qui ont chaque petit jeune là. Les petits jeunes qui ont dit qu'ils ont 25 ans, pas jeune. Dans tel point jeune, c'est tout le monde qui est capable de penser l'avenir. Vous avez 50 ans, vous avez 100 ans. Mais tout autant, c'est un monde qui a fait projection dans l'avenir, vous considérez autant pour un jeune. Première bagarre que vous connaissez en tant que jeune, c'est que intérêt, pas toujours l'argent. Intérêt n'est pas forcément économique. Si tout ça vous fait cet argent, vous pouvez avant, pas jamais. On est un gros professionnel, on est un doctorat, mais en tant que société, on n'est pas capable de grandir, j'aime que ça t'a le fait. Donc, ça c'est un bagage qui est important pour moi. Mais qui sont allés tirer les deux ou impliquer comme monde dans le développement communautaire? Premièrement, tu vas avoir ce qu'on appelle le développement personnel. Tu vas être développé personnellement. Pourquoi? Tu vas avoir de nouveaux contacts. Tu vas avoir de nouvelles capacités. Avant, tu étais parlé en public. Mais automatiquement, on commence à prendre des initiatives. En tant que communauté, ou c'est le président de l'organisation, timide par timide, il faut parler. Première fois, tu es parlé devant 10 personnes. Deuxième fois, tu es parlé devant 20 personnes. Troisième fois, tu es parlé devant 50. Au fil du temps, on va voir même qui vient habile ou qui a parlé devant n'importe quel public. Ça, c'est une des premières bagages. Deuxième bagage, il dit, bah, où ça y est, donc, facilité dans sa gestion de conflits. Il y a un bagage qui est aussi étonnant pour nous dériver, on a été dans la prison tête droite. Par contre, c'est arrivé, il résout avec facilité. Il y a un exemple qui est blanc. Gagner. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a chanté, qui a compris ça bien. C'est musique et Dieu donné la rose là. Quand quelqu'un me souhaite en voyage, ils font accident de frappe pour nous. Ou quand ils imaginent, oh, Dieu donné la frappe pour nous. Qui est-ce que le juge là dit, monsieur? Est-ce que vous n'avez pas rappelé que le juge là dit Dieu donné? Dieu donné, est-ce que vous m'avez dit? Qui est-ce que le juge là dit, monsieur? Il dit, monsieur, mes familles, mon là, c'est avec vous parler, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as fait ça pour les bonnes monde? Est-ce que tu as fait ça pour les bonnes monde? Il va la faire pour les bonnes monde. Mais par le fait que Dieu donne une réputation, Dieu donne son monde qui est honnête, Dieu donne son monde qui fait des bagages qui n'est pas que la société, il dit, bien, mes familles, mon là, ça n'a rien à voir. Donc c'est avec famille qu'on vous parle. Vous imaginez que son juge là, tu bagages ça par un conflit de capoune. Ça c'est l'autre bagage. Et puis il permet qu'on ait une meilleure réputation dans la communauté. Depuis qu'on dit c'est un tel, tout le monde dit, ah bon, ok, depuis c'est un tel, pas un problème. Il y a des côtés qui ont dit on a moule, peut-être qu'à vous dire. Et par le fait que c'est où, par rapport à la réputation, engagement social au Maou, on dit, puisque c'est un tel, pas un problème, bien, il est capable. Troisième bagage, ça permet pour jouer une ressource avec facilité. Charité, quand j'ai invité là, je me dis qu'il faut le payer. Mais, on s'est coupé, il dit Zach, on s'est mis à m'en faire. C'est bon, regardez, ça en fait, pas de problème. Mais c'est par le fait que nous habitués dans notre vie dans des activités sociales, nous avons un engagement, nous avons ça à faire dans la communauté, nous avons une réputation dans le jeu. Donc ça fait que, avec aisance, moins déplacé, malgré risque, insécurité, malgré toute difficulté pays à connaître, moins choisi de déplacer mon pays. Donc en tant que jeune, bien content, il semblerait que la conférence est venue. Vérifiez pour moi. Vérifiez pour moi si la conférence est venue. Et en tant que jeune, moi invitez-vous. Continuez à prendre des initiatives dans la communauté. Et si nous pas d'habitude de faire, à partir d'aujourd'hui à même, dites-vous, communauté a besoin de nous.
dites-vous, meilleure façon pour le volume, c'est pendant ma fête de la gagne sociale. Si son job pour n'avoir moins de garder le motif et faire la gagne la vie, la vie, ok, pas un problème, c'est parce qu'il a payé le bouffet. Mais si c'est social, pas faire ou même faire bien, et bien là où les gens vous faites pour l'argent, il y a un petit peu de choses. S'il ne pas faire comme la même, il fait bien comme ça, et si vous payez le même, la fait très très bien. Donc, nous ne pouvons pas pour nous perdre dans l'engagement socialement. Au contraire, nous avons plus de bagages que nous sommes capables de gagner les nous engager socialement. Nous avons quelque chose de connecter avec les meilleurs. Connecter avec les meilleurs, ça veut dire qu'on n'a pas qu'un bagage. Les choses qui sont chères, ils sont à disposition malgré ou pas de l'argent. L'argent n'a pas fait tout le bagage. Nous avons besoin d'argent pour vivre en tant que monde. Mais avant tout, nous avons besoin d'assurer que nous avons un bon réseau. Nous avons un bon monde dans l'entourage. Nous. Et on va voir que des bagages qui ne coûtent pas très cher, ou arriver à gagner à moindre coût. On va voir que la vie, je ne vais pas dire la parole pour vous, mais on va vivre une vie qui est plus ou moins paisible, on va vivre sur la tête en la société. Nous souvent dire, ce qui est bien important pour nous, c'est le travail pour que nous utile. Tout ça qui n'est pas utile, nuisible. Vous avez beaucoup de ça en taille là, vous avez besoin de prendre l'eau avec, les lui poulet pas prendre l'eau encore, à chaque fois où elle a une place côté démoniale, dès un jour, quand je n'ai pas qu'à utiliser l'eau encore, nuisible. Donc c'est chez toi, c'est le même. Souvent dans la communauté, on n'a pas utilisé rien, société n'a pas pour moyen, donc on va saisir que on sait au monde pour jeter à la poubelle. Jeter à la poubelle, ça va lui dire que vous obligez pour oublier, vous mettez dans la poubelle. Mais il n'y a juste pas un bico dans un rien qu'à faire dans la communauté. Personne ne va connaître. Ou bien si vous connaissez, vous avez mauvais, face pas. Il n'y a pas de soigner comme qualité, soigner comme compétence. Moi, invité à tous les gens à engager dans la communauté. Non? Et champion qui est là, moi, félicitez-nous. Parce que ça, c'est un signe d'engagement. Ça, c'est un signe qui montre que nous sommes deux monde qui sont capables de compter sur lui. Là, petit champion, on va parler de monde qui est dans la communauté. On va parler de nous tous. Et nous, chaque qui là, maman les gens, applaudissez le chemin, s'il vous plaît. Merci, merci, c'était vraiment un plaisir pour que vous échanger avec nous. Non pas que c'est Zachary Théorno, Jean, le présentateur à Tesla. Merci beaucoup. Tout au long des minutes que nous allons passer ensemble. Merci à vous qui nous suivez sur le net à travers les médias en ligne. Donc, je dois vous dire, cher public, sincèrement que votre sourire va commencer dans une poussière de ce monde en vertu des pouvoirs qui me sont conférés tant par les trois instances de la Trinité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et par le staff, management de l'organisation Rep Haïti, je déclare ouverte officiellement cette activité. Merci, merci cher public. Je suis hyper content d'avoir un public intéressant, un public enthousiaste. Maintenant, on va commencer avec la partie culturelle. Est-ce que Richesse est là? Richesse? Michel est bien arrivé.
je vous demande de faire un maximum de bruit pour Richesse. Hier soir, il me l'avait dit que Collège Notre-Dame sera en effervescence. Donc, je cède le micro à Richesse. Un artiste que vous aimez tant, richesse, talentueux. Stéphane. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous accueillons le talentueux et c'est l'artiste de la commune, Richesse, sous vos applaudissements. Ok, malheureusement, pas gain notre micro pour nous amplifier guitare pour nous. Je pense que nous avons discrètement ça bien. Oui, yes. Ça va? Yes. Ok. Yes, ça va. C'est dans mes verres que le verbe se fait cher. Au prix du sang, mes vers se font chair. Dans les vers, on constate la verdeur de mes vers, si Dieu, si je déclame des sujets de calme, si dans les têtes mes vers entrent dessus les mauvaises intentions, c'est pour éviter que les hommes s'entrent dessus. Sont prêts dessus, te rends compte que je t'ai fait voyager au pays des vers, en escaladant le versant d'une montagne de texte. Les vers sont vers viage, vers le pillage de mes vers, les vers verreux s'accumulent. Mais ça cumule mes versets et mes vers et fait voir aux amoureux de la vraie poésie. Monts et merveilles, les oncles s'émerveillent, oncles et merveilles sur mes vers, vernissant la vie d'une couleur de vermeil. Si les verbiages vous attaquent de la tête verveine, consommez ma poésie comme une verveine. Et pourquoi tu n'as pas donné naissance à une fille, maman, palabre? Par les vers, je sens que je vais atteindre le firmament. Si je fume, maman, c'est pour trouver des gros vers comme sentence, comme verdict. Comme un verdict, les vertus des vers qui s'écrasent sous l'effet de mes vers versatiles. De l'au-delà, je contemple mes vers de satire. Mes vers s'attirent et saluent, et au feu vert de ma muse, moi, je m'amuse. Dans ma tête, les vers versent, s'inversent. Perversion vers, à l'envers, vers l'angle. Mon cerveau est en verso, en verseur de vers, c'est vrai. Et quand les vers ni mes mots, mais les vers ont vers ni mes mots. Comme j'univers, du néant vers l'univers. Je veux divers pour dire divers. Je veux divers pour dire divers vers de divertissement. Si dans les têtes mes vers entrent dessus, les mauvaises intentions, c'est pour éviter que les hommes s'entrent dessus. Si les verbiages vous attaquent de la tête verbaine, consommez ma poésie comme une verbaine. Merci. C'est le dernier texte que vous allez jouer à Soya, voilà. Elle est titrée
je t'aime. Ce texte est dédicacé à toutes les belles filles ici présentes. Donc voilà. Ah ouais. Je te rêve toujours et tu rentres mon sommeil. J'ai deux yeux qui s'allument, merde pour le soleil. Quand tu me souris, ma vie d'arène bénéficie du chalon. Et tu balances ton corps, toutes mes envies s'allument. Et tu me touches, même mes regrets s'alarment. Tu me regardes et puis de mon amour m'allume, s'alarme. Ça transforme mon existence de l'attention. Attention, te dis que je t'aime plus. Je veux dire le contraire par toute mon attention. Tu joues la route pour t'aimer, la seule destination. Je t'aime, je t'adore, à toi je me lis jusqu'à l'exagération. Je t'aime avec sérénité, mais je t'embrasse un peu débile. Notre amour dans l'humanité va laisser des traces en délivre. Quand tu me dis je t'aime, c'est une école, c'est l'amour que tu m'apprends. Tu es tellement belle, mais oui, même la lutte te court après. Car avec toi, je ne peux signifier le mot douleur. Grâce à la pilule de tes yeux d'un ciel de mille couleurs, on se ressemble, rassemblons-nous pour confort. Le plus beau couple du monde, car on s'aime trop fort. J'ai ton amour dans le cœur, franchement, c'est un confort. Je trouve une vraie raison de t'aimer avec des raisons, t'aimer à tort. Je trouve une vraie limite de t'aimer sans limite. D'accord, franchement, je t'aime de 700 façons. Je t'aime de 700 passions. Je t'aime de cette sensation qui me rend dingue, qui m'en fout. Je m'en fous d'elle, je m'en fous d'eux. Franchement, je suis fou de toi. En vrai, nous sommes les quatre plus beaux yeux du monde. La mort par l'amour, franchement, c'est un gain. Que l'amour nous inonde. La machine frappe dans le cœur. Boum, 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 c'est comme une bombe. Quand tu me dis, je t'aime, c'est une école. C'est l'amour que tu m'apprends. Tu es tellement belle, baby. Mais la lutte te voit après. Est-ce que nous là? Ouais, on va faire un petit jeu. Monsieur, est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Alors, posez-nous, gardons après. Nous allons faire un petit jeu. Et monsieur, on dit je t'aime encore. Et puis, mesdames, un peu grand, je t'aime trop fort. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je t'aime de 700 passions, je t'aime de 700 façons, je t'aime de cette sensation qui me rend dingue, qui me rend fou. Je m'en fous d'elle, je m'en fous d'eux, mais franchement, je suis fou de toi. Franchement, je suis fou de toi. La magie me frappe dans le cœur, boum, 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 c'est comme une bombe que la magie nous inonde. Franchement, la mort par l'amour, c'est un gain que l'amour nous inonde. Je t'aime avec sérénité, je t'embrasse un peu les villes. Notre amour dans l'humanité va laisser des traces indélébiles. Quand tu me dis je t'aime, c'est une école, c'est l'amour que tu m'apprends. Tu es tellement belle, bébé, même la lune te voit après. Merci. Je vous demande de faire de tourner à l'applaudissement pour Richesse. Ah oui, je sais de le dire, ce gamin-là, il n'est pas simple. Il est compliqué, il fait la danse des mots. Alors, je pense que c'est ça il faut. Pour continuer, est-ce que... Ah,
Et avant que nous continuions, il va falloir que nous récapitulions un petit peu pour vous, cher public. Nous sommes là, toujours la lecture comme sauvetage, la lecture pour sonner l'avenir. Vous qui nous suivez sur le net. Est-ce que monsieur Scasson Baptiste est là? Sauf que monsieur Scasson n'est pas là. Nous allons accueillir. Est-ce que BDJ est là? Mesdames et messieurs, l'histoire de vous réjouir sous vos applaudissements, nous allons accueillir BDJ. L'esprit qui est pour la tia à cause de son droit lui. Là où c'est séché, il cesse car il s'est fait pendant l'espoir. La misère c'est quoi? Il pouvait être maltraité pour que je ne souris son exploit. C'est tristesse qui baptisait. Ma pitié a bien donné ma quête de ta étoile. Devenez qui toi le paix, mais bien bonheur où était dans le répertoire. Puis qu'il nageait dans des rivières mélancoliques. Puis qu'il noyait jusqu'à ce qu'elle n'est pas fini. Je n'ai pas fini sous les moi parce que ma jeune alcool pour mettre fier moi. Ciel moi sans étoile, tel moi sans message, tel moi changer page, qui est moi le taquette. Marita, je vais la changer page sous moi. Car on m'a donné kamikaze sous moi, sous mon test qui est coupé. Bête sous ses spits, je peux pas capoter, il synchronise avec l'esprit. Je te dis, pour vivre ici, il faut que moi je sois fiel. Je te dis, pour résister, il faut que moi je sois fait. C'est quel crime, quand péché fait quel crime. Plaisir pour les femmes qui est frère. Je t'ai dit, pour vivre ici, il faut que moi je sois fiel. Je t'ai dit, pour me résister, il faut que moi pas être fait. C'est quel crime. Quand péché fait quel crime. Plaisir pour les femmes qui est frère. J'ai envie de plaisir, lisière. Dans les plaisirs, prières. Dans les cris, plaisir, miné, qui a tremblé en bas criminel. Je t'ai dit, ici, criel, mais je vais considérer pire que l'enfer. Plaisir, digène, qui t'a pris à périr dans le fond de la mer. Depuis la naissance, moi mourir, frère. Son moi souffre. Son monde fou qui vient folie la raison. Destination projet dans des illusions. Des pertes division dans un monde limité. Mais mal retrouvé non. Voyons monter les vrais côtés. Samaël si mes deuils. Azraël si mes peines. Après je discrète dans le malfrac à faire craindre. Sous j'ai négès. Ici de là, même la vie pour un jeu. C'est ça que fait décider et désigner Jésus-Christ comme tête séquelle. Soleil couché, moi c'est la journée. La limpette du patience dans le soleil couché. Soleil perd du sommeil qui donc va consacrer la nuit. C'est toi le filet grand midi, minuit, perdit la ville, je t'ai dit, pour vivre ici, faut que moi j'ai qu'un fiel, je t'ai dit, pour me résister, faut que moi pas être fait, c'est quel crime, quand péché fait quel crime, plaisir pour essayer faire fier frère, c'est quel crime, quand péché fait quel crime, plaisir pour essayer faire fier frère, merci. Ça titré Cricket, bon voyage. Cricket, t'as des Cricket, c'est sous Cricket ma vie criminelle. Cricket, t'as des Cricket, c'est sous Cricket ma vie criminelle. Faut pas laisser,
faut apprécier, j'ai pas qu'il m'a fait m'a blessé pour notre drame. Faut pas blesser, faut pas crucifier que moi-même, pas qu'à faire le choix qui ça. C'est pour que quand même, en dame chargé de vie, le jour où pas si bien va charger de vie, chargé de vie quand tu aurais même, pas qu'à faire le choix qui ça. C'est où celle qui me plaît, ou elle qui n'a pas d'accorder. Si seulement c'est avec toi, seulement qui t'a comme qui t'a accordé, c'est avec toi qui m'a pro, c'est la vie pour qui m'a pro. Chaque mois avant l'autre, il veut qu'on me tremble, qu'elle me prenne, qu'elle me sentir puissance. Femme, femme, faire entendre, pourquoi? Parce qu'elle m'a imaginé vivre sans où. Vivre sans où, c'est un ciel sans papa mon Dieu. Papa mon Dieu, pour moi, tu fais bon. Fais, tu fais prendre à moi, moi m'attaquer dans moi. Chaque lèvre, t'as plus moi pour m'écrire. C'est au même qu'elle me décrit. C'est l'idée comme refuge. Ou dit qu'il n'a vu. On dit non, on prend refuge dans l'ambassade de l'amour. Depuis les sables, on a pété dans la gamme. Bon, ça se m'a perdu dans fiel en main. C'est à cause de la douane qui fait moi fiel en main. Sans où l'esprit va chercher en paix. C'est son fer blanche qui a décidé de mettre des cris qu'elle. Plein disait, si vous trouvez des textes ça, vous entendez des cris qu'elle. C'est des cris qu'elle. C'est sous cris qu'elle. M'a écrit misère. Cris qu'elle. Merci. Oh là là, c'est seulement les mots qui ont ce pouvoir. On vient de quitter Haïti sans passer à l'encontre de Lucien Ouverture. Cher public, le voyage a été comment? On a transité pas mal de pays à travers et le texte, à travers les mots. Comme je l'avais dit, c'est seulement les mots qui ont ce pouvoir de nous permettre de quitter Haïti sans passer à l'aéroport de Toussaint Louverture. Pour continuer. Mesdames, messieurs, suite à une question sur les imprévus pour l'avenir d'Haïti, le secrétaire d'État à l'éducation en 1972, Hubert de Ronceret, disait « L'avenir d'Haïti est une immense interrogation. Il est bloqué à l'intérieur par des égoïstes irréconciliables. » et à l'extérieur par un racisme à visage découvert. Le monde entier nous déteste et nous condamne à l'assistance humanitaire sélective. Le développement nous est refusé après avoir enlevé nos droits les plus élémentaires au travail, à la santé, à l'éducation, à la sécurité, après avoir organisé et précipité le chaos, les géants nous accusent de violer les droits de l'homme. Nous n'avons qu'à réfléchir au temps et au coût de formation d'un homme pour comprendre que le gaspillage de notre jeunesse et l'anéantissement de notre système d'éducation nous relèvent pour un demi-siècle au moins, à l'arrière-cour du monde civilisé. Nous n'avons pas encore récupéré les bases minimales qui permettent de construire une nation. L'avenir d'Haïti est entre les mains de Dieu. Une déclaration qui, aujourd'hui, pourrait expliquer bon nombre de choses dans le fonctionnement de la société qui est perpétré par un carreau et nous oublions l'être haïtien. Si nous osons poser une question sur l'être haïtien, nous serions dans l'étonnement d'entendre que des phrases extraordinaires. Pourtant, les conditions réelles disent le contraire. Nous sommes dans un combat dur et pénible où l'éducation
représente une âme puissante. Parlant de l'éducation, nous devons être précises sur ce que nous voulons, car l'éducation d'un peuple construit des hommes forts, puissants, intelligents, conscients pour ce peuple. De ce fait, une nation sans éducation est faible et à la merci des autres. Nous pouvons le constater dans la situation actuelle de notre père des Antilles, Haïti, qui, malgré le vouloir et le pouvoir de bon nombre de compatriotes, Haïti est noyé, méprisé dans les capacités, dans l'acculturation, dans la dépendance, pour ne citer que cela. Haïti se voit aujourd'hui dans une forme d'éducation où l'être formé ne se sent pas haïtien parce qu'il est étranger des valeurs haïtiennes. Avec cela, il éprouve une honte de sa propre nation ou nature et se dit citoyen du monde. Une question à poser. Méritons-nous un changement? On répond affirmativement. Si cela fait de l'éducation haïtienne une priorité, que désormais nous pouvons valoriser l'être haïtien partout dans le monde de par sa culture, ses mœurs, sa coutume, sa religion et sa science. Mais si cela vise à nous enchaîner mentalement, comme nous le sommes aujourd'hui, nous serons prêts à dire non. Non, parce que le temps est révolu. Parce que la lumière se lève enfin dans les ombres des ténèbres. Non, parce que le premier peuple noir est l'image de la liberté. Et finalement, non, parce que nous pouvons, nous devons et nous allons produire une influence nécessaire. Comment produire une influence nécessaire? L'action positive est au centre de l'avancement, si bien qu'une société où l'action positive est objective, on constate une propagation d'influence positive. Pour ne pas trop oral, je vous présente une chose concrète. Notre influence à nous, REP Haïti, le réseau de l'éducation haïtienne, qui se donne pour rôle l'orientation des jeunesses ou des jeunes via des formations, des concours, du livre et d'autres activités créatives, tout en restant attaché à notre mission générale qui est de promouvoir une jeunesse consciente, autonome et créative. Pour pouvoir lutter contre la décadence en les offrant de nouvelles. Apprendre, valoriser. Et c'est pour ça, je ne peux pas terminer sans que par les deux mondes qui sont là, deux derniers salons qui ont campé, et pendant nous-mêmes, nous avons applaudi. Applaudi parce que nous sommes fiers de nous-mêmes. Avant que nous expliquions qui ça nous fait. Nous gagnant en Haïti. Nous fait un travail remarquable dans la lecture. Mais qui s'est lecturé pour vous-même? Qui s'est représenté dans la vie? Il y a un monde qui dit qu'il est intellectuel. Il y a un monde qui dit qu'il veut avancer dans la vie pâle, dans la vie intellectuelle. Il faut qu'il soit toujours attaché ensemble avec l'île. Même je crois qu'on peut se manger, c'est comme ça tout. L'esprit, non, il a besoin de connaissances pour être capable de développer.
Et ça qui est belle que nous pouvons dire après-midi, connaissance, il y a le livre. Et des fois, il y a des gens qui nous disent, connaissance, c'est le livre qui gagne. L'homme qui a connaissance, mais pour nous exploiter connaissance, il faut qu'on travaille. Parce que le cerveau, il est un peu un muscle. Et lecture, il est représenté un peu un alter pour être capable de développer l'esprit. Et c'est choix ça. Gagnant ça, et c'est non ça moi-même m'a toujours mêlé. Parce que jour qui nous gagnons, on gagne toute la vie. Parce que pour nous, Jean-Baptiste James Stefano, échec pas existé. Vous considérez échec tant pour yon marche. Yon marche côté ou même ou avancer, sous-rêter le marche là pour pas augmenter, mais c'est pas échec là qu'il faut arrêter. Parce que échec là, c'est l'huile nécessaire que mon temps besoin pour capable de motiver, pour capable de connaître qui ça on doit faire. Il y a un monsieur que moi obligé de citer, aime toujours citer les mêmes positions ça y est, pour courage lui. C'est Thomas Miller Edison. Monsieur fabriquait, ça nous était capable de lever un boule électrique. Mais Thomas Miller Edison, il fait une ampoule électrique 999 fois. Il échoue. Et le Thomas Miller Edison échoué pendant toute fois ça. Monsieur Bell fait une phrase pour confirmer, pour montrer que l'échec n'est jamais total. Thomas Miller Edison Bell dit mot ça. Je n'ai pas échoué dans essayer de faire une ampoule électrique. Mais moi, apprends 999 fois, il y a une façon que je n'ai pas le droit de faire une ampoule électrique. Donc, sous déclaration ça, tout le monde qui l'a eu, c'est d'ailleurs. Et nous-mêmes qui dans le public haïtien, ça fait plus que 200 ans depuis la lutte. On a un problème dans l'éducation. Ils ont mis nous sous dépendance tout le temps. Ils ont fait toute façon pour nous mettre enchaînés. Mais nous connaissons, nous n'avons pas péché. Parce que nous avons victoire quand même. Nous avons victoire quand même. On nous crie victoire. Haïti a bien victoire. Nous n'avons pas connu ça. Nous n'avons pas connu ça. Haïti a bien victoire. Ça c'est un mot. Et c'est un mot pour nous faire belle. Vous devez nous répéter. Parce que nous voulons quoi que nous avons. Nous voulons quoi que nous quoi la même Haïti. Nous voulons quoi que nous quoi de gagner ça. Merci. Merci à Stefano. Monsieur Scasson est prié de me rejoindre sur le podium. Monsieur Scasson. Ça a tout, ou bien, là où tu n'es,
chaque monde qui a des compétences dans nous, nous vendons sur vos Bibles, à l'exception d'un seul qui vend un seul Bible, et lui expliquer, c'est lui-même qui a acheté la Bible, parce que le devait marquer en prix. Pas bien dit non, l'homme a un peu l'attitude, l'homme faut qu'il soit succès, l'homme cherche quand même ça qui est positif. Par ignorer les gars, c'est pour ça que vous connectez avec un monde qui est extraordinaire pour vous guider. Mais ce n'est pas pour vous trouver échec, pour vous guider. Il y a toujours un peu de vous ne pas les chier. Mais comment vous faites? Robert, tu es marié ça. Robert, combien de vous vendez? Moi, 722 Bibles. Robert, oui, ça c'est un peu. Robert, expliquez-nous que ça fait 722 Bibles.
le premier prix de la première édition Week-end du livre 2021 qui s'est déroulé sur le thème Comment pourrions-nous changer l'avenir par la lecture. Reconnaissance décernée à Cabaret le 5 décembre 2021. Troisième lauréat, deuxième lauréat, non, là, il va. Premier lauréat. Deuxième lauréat. Il a eu comme motif. Ma qui te voulait. D'accord. Ok, c'est bien. Merci. Ok. Et. D'autres plus encore. C'est. Livio. C'est le même livre que le troisième lauréat qui s'est bénéficié. Après, c'est Bacoblan pour qu'il soit capable de répondre avec la difficulté et l'électricité qui vient dans le pays. D'accord? Donc, même ça, il est réservé à Madame Marie-Louise Lolo, qui est appelée notre première lauréate. Papier est allé en mode dit que première lauréate là, ou premier lauréat, quel que soit, c'est qui était fille ou bien garçon, il y a tout fini ambassadeur ou ambassadrice organisation de Haïti. Non, c'est ça. Après le film décerné, puis ça, à Marie-Louise Lolo est appelée notre premier lauréat, nous réservons une prime pour lui étant que notre première ambassadrice. Dans ce sens-là, dans nos réparations, dans nos réparations, dans nos réparations, ma pli, honneur et mérite à Marie-Louise Lolo pour avoir remporté le premier prix du week-end du livre 2021 et être devenue ambassadrice de REP Haïti. En foi de quoi, ce dernier lui est délivré à toute fin utile, week-end du livre 2021, comme elle charge du PDG de REP Haïti. Année génie civil.
et Chélia, André et Lina NS4. Ok. Pour nous continuer. En fait, pour nous finir. Pour nous finir. Et ma part de notre. Mais par ici, il y a un contrat de partenariat que j'ai signé avec tous les trois lauréats. Le contrat a pris effet le 1er janvier qui a venu là. Premier lauréat, c'est l'ambassadrice là. Et même les gains pour le travail comme ambassadrice pour l'organisation pendant 12 mois qui a venu. Dans ceci, pour les continuer à encourager les jeunes et les par ici. Pour mettre, pour accompagner dans quelque soit la politique que l'État a pu mettre en place pour être capable de atteindre l'objectif. Repaïti, pour la présentation, pour nous capables de terminer, Repaïti, c'est une jeune organisation qui a évolué dans le domaine de l'éducation. Repaïti, pour naissance, Repaïti prend naissance en 2020, jeune organisation. Malgré toute expérience que nous avons, mais nous très jeunes, nous prenons naissance en 2020, en avril 2020, donc avril 2022, après pour faire Repaïti 2 ans. Pendant l'existence, nous, dans la même année 2020, Repaïti a lancé coup de rattrapage pour élèves de vie avec élèves philo, que Repaïti a été chasse bouclée. Repaïti encore a lancé plusieurs conférences dans l'objectif pour nous capables d'atteindre ça nous gagne comme mission qui c'est promouvoir une jeunesse consciente, autonome et créative. Repaïti va être tête mission ça pour l'accompagner jeunes. Et dernière activité, nous, c'est le week-end du livre, première édition que nous avons lancé. Et dans moment côté moi t'a fêté anniversaire moi 25 juillet le 24 juillet nous t'ai gagné une formation pour tout candidat yo c'est une formation qui t'ai réussi et le 25 juillet pour commenter le fait nous t'ai obligé annuler nous t'ai voyé pour 1er août que nous t'ai réalisé très 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 bien Rep Haïti a continué le travail pour que nous capables arriver à atteindre l'objectif nous, ou bien pour nous capables continuer, bien continuer, ou l'été objectif nous. Et Repaïti en groupe, c'est ça. Moi, c'est actuel PDG Repaïti, accompagné de plusieurs autres membres, que la majorité de la déroguiteur font se déplacer. En gros, comme présentation de Repaïti, c'est ça que je suis capable de dire. Et avant de remercier, je vais vous faire nous connaître. C'est un honneur pour moi aujourd'hui, hein, pendant que je fais une activité, ça, pour que je maman moi ensemble avec moi, qui parmi nous là, qui a suivi l'activité. Je vais vous demander pour les fonds de campagne pour que vous soyez capable de Lévé je ne dis même seulement qui a fait éducation parce que papa mourit. Prenez-nous, battez-vous pour parler. Je nous réalise que je nous dis à Belle, il libère tous ces côtés que nous prenons un bel diacre comme garçon, comme petit garçon. Salut, Joël. Ok, et puis moi j'ai avec moi tout, petit frère moi qui c'est Morgan. Petit frère moi. Il a tout, Morgan. Qui c'est un adoré pour moi. Et à travers les mêmes moi, revivre Fort Mel. Ok, et.
Activité si la ligne est arrivée possible grâce à Gina Guier de la Tour qui était invité de nous, malheureusement qui n'est pas présent avec nous pour question de sécurité. L'arrivée possible tout c'est grâce avec RTS, Radio Télé Sommaire qui a prêté nous en direct là. L'arrivée possible c'est grâce avec Cabaret Infomédia. L'arrivée possible c'est grâce avec Géraldine Assini Pépé qui depuis le commencement jusqu'à journée jeudi a baillé par les gros jarrets. Activité si la tournée arrivée possible c'est grâce avec CJASP qui est une organisation qui a bien voulu dans le domaine de l'éducation aussi qui a un siège social de 10 places. Il est arrivé possible aussi grâce à nous-mêmes qui fait préparer à de présence nous qui coûte cher pour nous. Nécessairement, on est pour nous applaudir. Donc, comme mot de la fin, à dire nous un grand merci. Merci à nous tous. Merci. Merci aussi.